Salut lesbienne, Gwyn, Goudou, Dai, Queer, Autre et Alliés, sois bienvenue dans ce 15e épisode, saison 1 de The Road. Trois petits points vite fait avant de débuter. Le premier, si tu veux aller directement au témoignage de Sophie et ignorer le contexte de tournage, tu as toujours l'eurodatage disponible sous la vidéo. Le second, si tu veux soutenir The Road et m'encourager dans ce travail, tu peux évidemment le faire en t'abonnant, en likant, en commentant, etc. et en parlant du projet directement autour de toi. Merci. Et enfin, le troisième point, c'est qu'il y a un petit pépin en fait au niveau du son sur une petite partie du témoignage de Sophie. Ça dure environ 4 minutes de manière discontinue. Donc désolé pour ce désagrément, j'espère que tu passeras outre pour écouter le témoignage de Sophie dans sa totalité. Je te propose de reprendre le récit d'aventure depuis la fin du tournage avec Dorian au parc de la Colombière à Dijon. Il est environ 15h quand on se quitte avec Dorian, l'humeur est plutôt bonne, en partie grâce à son enthousiasme hyper communicatif que t'as peut-être ressenti au cours de l'épisode 14, aussi parce qu'il fait beau et chaud et que c'est loin d'avoir été fréquent cet été-là, en tout cas au mois d'août 2021. En sortant du tournage, les priorités sont ultra basiques. Ranger le matos, me trouver à manger et me reposer parce que mine de rien, j'enchaîne depuis le réveil entre la route, l'orga et le tournage. Et aussi, je souhaite me rapprocher de l'espace autogéré des tanneries où je dois retrouver un pote. En 2 minutes d'envol, je suis tellement liquide. Un four, en plein été, en plein soleil, c'est vraiment l'endroit idéal pour se reposer. Je le conseille. En roulant en direction des tanneries, je trouve assez rapidement un parking de supermarché qui, par chance, m'offrit à la fois de l'ombre et de quoi me sustenter. C'est là que je pose les roues. Repas entre deux sur le parking de Lidl, quoi. Du rêve en bar. La van life en ville, une vie de rêve. Un petit relent de bitume chaud, des voitures qui vont et viennent en jetant des petits coups d'œil dans ta chambre, un peu d'ordure à droite à gauche, un bruit permanent, pépite. Ah ouais, j'ai oublié, il y a aussi des gens qui demandent de pouvoir visiter le van. Pourquoi vous faites ça? Moi je vais pas voir des gens dans la rue, je leur demande pas de me faire visiter leur chambre, leur cuisine, leur salle de bain, leur vie en fait quoi. Faut pas faire ça. Comme après chaque interview, j'ai le cerveau qui galope dans tous les sens dans son bocal. C'est vrai que pendant les 3 mois et demi de tournage d'aventure donc sur la route, mais aussi les mois de travail qui ont précédé et ceux qui ont suivi et suivent encore, le fait d'être isolé dans ce travail et plus ou moins isolé socialement fait que je dépends en fait majoritairement de moi pour purger et transformer les données cumulées. Et dans mon cas, ça a eu et ça a ses limites, notamment en termes de surcharge, d'usure et de fatigue. Même pas fatigué quoi, je vois pas du tout de quoi tu parles. Putain, j'ai dit fatiguée, j'ai baillé, quoi. Dans l'heure qu'a suivi l'interview de Dorian, typiquement... Neuro-atypiquement, devrais-je dire. Je me refais le film de l'interview, de ses propos, je croise son témoignage avec les 13 précédents, mon propre vécu, ceux de potes, le tout avec des réflexions continues quant aux priorités à venir aujourd'hui et les jours suivants, et j'ai les neurones qui s'agitent à balles et qui tentent de faire un peu de place pour stocker les nouvelles infos qui s'engouffrent où elles peuvent dans le moindre interstice. Léger flux tendu, quoi. Une fois le repas avalé sur ce coin de parking, je file aux tanneries et là, petit coup de loose. Vu que j'ai pas été en mesure de proposer une heure précise dès le départ à mon pote, et qu'en plus j'ai du retard sur mes plans, il est plus dispo pour me rejoindre. Du coup, je me retrouve en plein cagnard à zoner autour du bâtiment des tanneries. Y'a quelqu'un? Oh, y'a quelqu'un? Et malheureusement, voilà, je fais ça pendant une demi-heure, mais sans effet. Alors je suis un peu déçue parce que j'avais vraiment envie de découvrir le lieu avec Ernest et d'y faire des rencontres, et pourquoi pas un tournage si j'avais rencontré une volontaire, mais bon voilà, ça s'est pas passé comme ça, et la suite me fait penser quand même ça avait du sens que ça tombe à l'eau pour cette fois. Est-ce que tu sens ce petit suspense monter ? En attendant, sur le moment, j'ai un petit moment de flottement puisque je passe de la possibilité de voir un pote que j'ai pas vu depuis des années pour découvrir un lieu dans lequel il est impliqué aussi depuis des années. Et c'est un lieu dont il m'a souvent parlé, d'autres gens m'ont souvent parlé des tanneries à Dijon, et parce que voilà, c'est quand même un espace autogéré qui fait référence sur le territoire, mais pas que. Petit coup de somme parce que j'imaginais dégoter une piste pour la fin de journée, ne serait-ce que pour dormir sur place dans le van ou passer une soirée relax avec des gens, pourquoi pas, ce qui aurait été franchement une bonne chose. Au lieu de quoi, je me retrouve seule avec ma fatigue, momentanément sans perspective à court terme. Et comme assez régulièrement pendant ce voyage, je ne sais donc pas du tout ce que je vais faire dans les prochaines heures et je sais encore moins que je vais dormir. Et là, alors que je suis à un stade franchement avancé quelque part entre la liquéfaction et le biscuit grillé, je check la messagerie du compte The Road, et là, petit coup de paillettes, de power lesbienne, d'adelphité, plus, un mail de Sol qui me propose en fait le contact de sa cousine lesbienne, âgée de plus de 50 ans, qui vit a priori en fait à 30 bornes de là où je suis présentement. Mais mon cerveau, il était pas prêt, j'avais les petits neurones là en plein nettoyage en train d'essayer de faire de la place, du rangement, du classement, et là, boum! Grosse déflagration qui débarque dans le tas que je venais de trier, tu sais.
C'est évidemment une super bonne nouvelle, et avant même de savoir sur quoi elle va aboutir, ça injecte quand même une bonne dose de sens à l'aventure et me donne un bon shoot d'énergie à ce moment-là. J'ai beau être absolument convaincue de l'utilité multiple de The Herald depuis le début, c'est véritablement dans ce genre de moment, quand quelqu'un que je ne connais pas autrement qu'à travers ce projet-là participe activement à le nourrir, que ça prend tout son sens. Faut pas oublier qu'à ce moment-là, on est plus ou moins 350 réunis sur le compte The Herald. Le projet est tout neuf, on est en pleine période de vacances du mois d'août. Et malgré tout, c'est dans ces moments-là que je me rends compte qu'il y a une petite poignée de personnes en fait qui m'aident activement à développer le réseau nécessaire pour faire vivre ce projet. C'est véritablement une chance d'avoir pu compter sur ce travail de terrain, d'inconnus la plupart du temps, de lesbiennes très majoritairement mais pas que. Et cette poignée en fait d'irréductibles qui s'impliquent sur la durée et à distance va parfois débloquer des situations et surtout ouvrir des portes miraculeuses d'univers lesbien. Alors pour recontextualiser quand même, le matin même, quand je me réveillais sur le parking de la piscine municipale de Pont-de-Vaux, donc à 130 km de là, Sol m'avait déjà écrit pour discuter de l'éventualité de l'interviewer déjà pour The Herald, et aussi pour me dire qu'il était entré en contact avec sa cousine pour lui parler de mon projet et l'inviter à participer. Et là, il me communique le prénom et le numéro de téléphone de Sophie, en précisant donc qu'elle est ok pour que je l'appelle, et c'est vraiment le parfait timing pour recevoir ce message. Très franchement, téléphone oral, c'est rarement une partie de plaisir. Au moment où je reçois ce message avec le numéro de téléphone, il y a un micro laps de temps, où de manière tout à fait instinctive, j'ai une liste d'arguments qui vient pour fuir ce moment conversation téléphonique. Et puis bon, dans la foulée, je réactive le mode déter pour The Herald, j'ai un job à faire, je sais pourquoi je le fais, donc je fonce, et d'autant plus qu'il était aussi très clairement d'honorer la démarche de Sol qui m'avait largement mâché le travail et rendu un grand service. Bref, j'appelle Sophie quoi, on va pas en faire des caisses. Alors, d'après ce dont je me souviens, parce que c'est quand même un coup de fil qui a eu lieu il y a 17 mois en arrière maintenant, j'appelle Sophie, on évoque les grandes lignes du projet, histoire de voir déjà si ça lui correspond, au point de s'impliquer et de témoigner, et aussi de mon côté pour voir si ça match vraiment bien avec The Herald. Après quoi, on est passé à l'essentiel, à savoir quand on peut se rencontrer, quand tourner l'interview et dans quelles conditions. Et là, on se retrouve un peu prise de court, puisque d'après ses dispos et les miennes, on arrive à la conclusion. Soit je débarque après avoir raccroché et on tourne l'épisode dans la foulée, soit c'est pas possible. Je me permets une précision supplémentaire aussi parce que je l'ai très clairement évoqué avec Sophie lors de cet échange téléphonique. C'est une des raisons majeures qui me fait foncer malgré les conditions pas optimales et ma fatigue. C'est que pendant le tournage de cette première saison, j'ai franchement galéré pour recueillir des témoignages de personnes lesbiennes de plus de 40 ans. Après 2 mois et demi sur la route, 14 interviews réalisées, seulement entre guillemets 2 personnes d'une petite quarantaine d'années avaient accepté de témoigner et aucune au-delà de cet âge-là. À plusieurs reprises sur la route, j'ai lancé des appels pour qu'on m'aide à trouver des VG, comme on se le dit affectueusement entre nous et dans notre jargon, et jusque-là, dans l'immédiat, c'était pas très efficace. Du coup, c'était véritablement impensable de passer à côté du témoignage de Sophie. Pour The Herald, déjà, qui perdrait de son sens si je n'obtenais pas de diversifier les profils aussi en termes d'âge sur cette saison, et aussi, pour être tout à fait honnête, pour moi, en tant que lesbienne vauclusienne ayant grandi à une période où on n'avait pas de représentation lesbienne, ou encore moins accès à des archives lesbiennes, qu'elles soient locales ou nationales, a envie et besoin d'écouter, questionner, m'imprégner et transmettre du vécu de mes grandes sœurs et autres adelphes lesbiennes. Donc au moment où ma seule envie est de poser mon cerveau dans le vide-poche et plonger dans un profond coma au milieu d'un champ de coquelicots, je dois repartir à 30 bornes de là pour tourner le 2e épisode de la journée, qui est aussi, je crois, le 8e interview en 10 jours, à travers 5 départements et 500 km. Avant qu'on ne valide ce tournage ensemble avec Sophie, je précise que j'aurai probablement quelques difficultés par endroit à mener cette interview, dans le sens où je suis loin d'être fraîche, histoire d'être sûre que ça lui convient malgré tout. Il y avait une deuxième condition qui était importante pour moi quand on s'est eu au téléphone, je lui ai demandé si autour de chez elle, elle connaissait un endroit où je pourrais m'installer en van, en étant une femme seule, etc., donc de manière plutôt sereine, parce qu'il était hors de question que je cherche un lieu où dormir, avec toute cette fatigue, avec un tournage qui devrait finir autour de 19h ou 20h. Et du coup, par chance de mon côté et générosité de sa part, elle me propose de me poser sur son terrain pour la nuit, ce qui enlève tout de suite une charge mentale et me permet de me concentrer sur les priorités de tournage. Enfin, je lui demande si je peux prendre 1 heure avant de débarquer chez elle pour digérer un minimum les informations, le temps de faire de la route, de me reconcentrer pour ce tournage, recharger les batteries du matos, préparer le matériel et puis arriver sur place, trouver un spot, installer le matos et briefer Sophie sur les bases, en tout cas sur mon procédé.
Alors, vu que je suis toujours en état de liquéfaction dans le van, que j'ai beaucoup de boulot à venir et que je suis vauclusienne d'origine, mon cerveau me répète en boucle qu'il veut manger du melon, des pêches et n'importe quoi de juteux, sucré et frais qui vient des champs, qui soit à partager à mon arrivée et qui m'offre du réconfort. Donc je suis désormais en train de rouler en direction de chez Sophie. Je vois une cabane de fruits et légumes au bord de la route avec un message « Fruits et légumes du Vaucluse ». Je me gare au bord de la route, je commence à saliver sévère devant les fruits et là... Rebim, le pote que j'espérais voir aux tanneries passe en voiture, reconnaît mon van au bord de la route et s'arrête. On discute vite fait, il est assez pressé, il doit repartir, moi aussi, mais quand même, il me précise que la nana derrière le stand est originaire de Carpentras, de ma ville natale donc, et mine de rien la ville aussi où Ernest et moi on s'est rencontrés il y a quelques années en arrière. Bon, je te passe les discussions avec la meuf, parce que si je veux que tu sois toujours là et en forme pour l'épisode de Sophie, faut pas que je dérive trop. Mais quand même, j'avais envie de l'évoquer, parce que ça aussi, ça a bien participé à foutre le bordel dans mes émotions, et donc influencer le tournage dans la foulée. Donc une fois ce petit moment passé, je repars avec mes melons dans les bras en direction de chez Sophie, qui m'accueille tout à fait sympathiquement en arrivant, et m'indique où me garer pour être tranquille déjà, et pouvoir dormir le plus à plat possible. Alors je peux pas tellement te donner de détails entre le moment où je suis arrivée et le moment où on a commencé à tourner avec Sophie, hormis le fait que c'est cool et que à la fois un peu gênant parce que je débarque là, on se connaît pas, j'arrive chez elle, enfin voilà, c'est quand même des situations un peu particulières. Mais en dehors de ça, je pense que j'ai plus trop de souvenirs, j'étais dans un tel état de fatigue que c'est le pilotage automatique qui a pris le dessus sur toute la partie prépa du matériel, gestion du moment, etc. Ce dont je me rappelle en revanche, c'est que j'ai un petit moment en fait de doute et d'inquiétude quant à mes capacités à pouvoir gérer l'interview et que j'allais devoir aller chercher bien bien loin les forces nécessaires pour rester concentrée pendant 2 heures. En général, vraiment, je me plonge dans un état assez particulier de full concentration et du coup, ça induit aussi par moment en fait, ça voilà un petit peu des doutes et je pense que pour moi, ces doutes-là, ils sont importants parce que c'est aussi ce qui fait que je vais me remettre en question pour mieux me positionner par rapport à l'autre. Voilà, parce que si j'arrivais en mode éther et que je fonçais, ça veut dire aussi peut-être que je gomme les retours de la personne et pour moi du coup c'est pas bon. Mais voilà, en tout cas sur cet épisode je sens que c'est un peu trop présent la phase de doute. Mais bon, en avant on est là et on va tourner cet épisode. Maintenant que tu sais tout ça, tu comprendras peut-être un peu mieux pourquoi par moment je fais des questions un peu confuses. Même si au montage j'ai essayé quand même d'y remédier pour rendre le truc plus digeste, j'ai reformulé les questions parfois à l'écrit et d'autres moments j'ai carrément coupé des morceaux qui n'apportaient rien. Si tu connais depuis le temps ma ligne éditoriale, il y a aussi de vouloir rester le plus fidèle possible et transparente quant au tournage. J'ai envie aussi de publier toute la matière en l'état, avec le moins de cuts et de modifications possibles. Du coup, bah voilà, ça donne de temps en temps des questions un peu cheloues et voilà, une piste audio légèrement endommagée à un moment. Mais ça fait partie du jeu, voilà, et de l'enjeu aussi que de vouloir te donner le résultat et le contexte de manière la plus fidèle possible. Enfin, et évidemment, malgré les difficultés, j'ai véritablement adoré cette rencontre avec Sophie qui s'est faite par l'intermédiaire de Sol. J'adore cet épisode pour ce qu'il est, pour ce qu'il apporte au projet The Hard Road, à l'écho aussi qu'il donne à d'autres témoignages. J'espère pour ce qu'il t'apportera aussi, et ce sur quoi ça a débouché d'absolument lesbien, féministe, sororal, écolo et délicieux pendant et après ce 15e tournage. Non mais je sais bien que cette intro est déjà bien assez longue, j'allais pas en rajouter, mais du coup j'ai gardé plein de choses à te raconter parce que vraiment ce passage là, le relais entre Sol puis Sophie et ce qui s'est passé dans la foulée, c'est vraiment un moment très important pour moi et très marquant pour le tournage de The Hell Road et j'ai hâte de te raconter tout ça, donc la suite dans l'intro de l'épisode 16. D'ici là, un très grand merci à Sophie d'avoir osé te livrer au pied levé face à une caméra avec une inconnue, alors que je sens que c'était pas forcément un exercice avec lequel t'étais très à l'aise, c'était pas forcément très naturel ni facile pour toi, donc merci et bravo de l'avoir fait, et merci de m'avoir merveilleusement accueilli. Sol, j'insiste, super shout-out déjà pour la mise en relation avec Sophie à ce moment-là, pour le timing, voilà, d'avoir fait en sorte que ça puisse matcher à ce moment-là, et aussi d'une manière plus générale pour ton incroyable et précieux soutien depuis le début de The Road et encore aujourd'hui. Dernier remerciement qui concerne le tournage de l'intro, cette fois. Vous avez remarqué, j'ai changé de cadre depuis les 2 derniers épisodes que... Enfin voilà, j'avais tourné les intros chez moi, le son était vraiment dégueulasse parce que je vis dans un truc temporaire où il n'y a pas de meubles et tout, le son ricoche partout. Et du coup, j'ai demandé à Anaïs si je pouvais tourner dans son salon. Elle a dit oui. Et du coup, je vous invite aussi à aller découvrir son univers, voilà, parce que les dessins qu'il y a derrière moi sont une infime partie de son grand talent. Quant à toi qui viens de te fader l'intro dans son ensemble, merci pour ton intérêt. Ou si tu viens de débarquer comme une fleur via l'horodatage, prends bien soin de toi, de nos communautés. Très bon épisode et à bientôt. Ciao.
commencer, du coup, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Ben, je m'appelle Sophie. J'ai 56 ans, je crois. Oui, 56. Et j'habite à la campagne, dans une grande maison, un habitat participatif, comme on dit maintenant. Est-ce que tu peux commencer par dresser un petit portrait de l'enfance que tu as eue, l'adolescence et éventuellement jusqu'à aujourd'hui, et aussi éventuellement le contexte social dans lequel tu as grandi? Moi, j'ai eu une enfance sans problème, de parents employés, une fille unique. Je faisais beaucoup de sport dans mon enfance, dans mon adolescence, je fais sport-études, voilà, je faisais pas mal de compétitions. J'ai perdu mon père à l'adolescence, et puis j'ai encore ma mère maintenant. Voilà, jamais sans histoire, on va dire. Et puis dans la vie, j'étais enseignante, j'étais directrice d'école. Et j'ai arrêté il y a maintenant pratiquement 5 ans, parce que ça ne me convenait plus. Ça se passait très bien, mais à titre personnel, ça ne me convenait plus. Donc j'ai arrêté de travailler. Et là, je vais être en retraite bientôt. Je vais te demander déjà si tu as fait ton école, etc., dans des écoles privées ou publiques. Et comment tu as vécu, en fait, ce parcours-là? J'étais à l'école publique, tout le temps. Ah non, en maternelle. J'ai fait maternelle dans le privé, parce que c'était à côté de chez mes parents. Moi, j'ai jamais tellement eu de problèmes. J'ai toujours été tranquille à l'école. Bon, après, au lycée, c'était un peu plus mouvementé, parce que j'ai eu une période un peu compliquée quand j'ai perdu mon père. Voilà, de trouver ses repères. Et puis, je suis partie en sport-études aussi, donc je suis partie assez loin de chez moi. Voilà, donc. Où est-ce que tu as grandi? Est-ce que c'était ville, village, petite ville? J'ai grandi dans une ville d'à peu près 5000 habitants. Comment, du coup, à quelle période tu identifies tes premiers émois lesbiens, ou en tout cas tes premières attirances, voilà, c'est fille ou ado ou adulte, voilà. Ah, les premières attirances, c'était ado, et après, m'en apercevoir, ça a été adulte. M'en rendre compte et l'accepter, c'était à 25-26 ans, l'accepter. Ouais, non, le collège, c'est les premières attirances, on va dire. Voilà, c'était pas forcément des questionnements. Les questionnements, c'était plus vers 18-20 ans. Ouais, je pense que c'était un peu de... on dit qu'on a des acteurs préférés, moi j'avais des actrices. Voilà, c'est un peu dans ce domaine-là d'avoir un peu d'idolâtrer plus des femmes que des hommes. Voilà, ça c'était, au niveau de l'ado, c'était ça. Et puis après, plus tard, je me suis dit, je sais pourquoi. Quand tu as été adulte, pareil, comment ça se manifestait? Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment tu as vécu ce passage-là? Comment je l'ai vécu? Je l'acceptais pas, de toute façon. Je l'acceptais pas trop. J'avais... ça a plus été un jour où j'ai décidé qu'il fallait que... que j'ouvre les yeux et que j'accepte, on va dire. Voilà, donc... j'étais dans un milieu déjà lesbien. J'avais des... Un milieu, façon de dire, j'avais des amis... Des amies qui étaient lesbiennes, et un jour je me suis dit, oui, faut. J'allais vers elles parce que voilà, je voulais. Je cherchais. Et un jour j'ai dit, faut accepter, faut voir, et puis tu verras bien si c'est ça ou pas ça, quoi. Du coup, avant cette période-là, avec tes amies lesbiennes, est-ce que tu avais connaissance déjà du mot lesbienne avant? Est-ce que tu avais déjà entendu parler d'homosexualité, que ce soit quand tu étais enfant ou ado? Et est-ce que tu avais des références, en tout cas, voilà, comment tu as su et comment tu as pu mettre des mots sur ce que tu vivais? Quand j'avais 17-18 ans au lycée, j'ai une belle déclaration d'amour par une femme. Mais je ne l'acceptais pas, donc voilà, je l'ai... Pour moi, c'était une copine, c'est tout, voilà, une amie, sans plus. Et par contre, on est resté très longtemps en contact. Et ça a été ma première amante, très longtemps après. Enfin, très longtemps, pas mal d'années après. Je ne sais même plus quand exactement. Je devais peut-être avoir 25 ans par là, quoi. Est-ce que tu arrives à identifier qu'est-ce qui faisait que tu ne l'acceptais pas?
c'était au fond de moi. Voilà, c'était pas dans le schéma que j'avais. Le schéma dans lequel je m'étais construit. C'était vraiment un truc perso, quoi. C'était pas du tout. Ma place, je la voyais pas comme ça. Ouais. Avant qu'une femme te déclare son amour pour toi, du coup, t'avais pas eu de, je sais pas comment dire, pas de cas concret, tu vois, mais en tout cas de... J'avais eu des attirances. Mais j'avais une... Mais de toute façon, j'ai rien... Oui, il y a eu cette femme qui m'a déclaré son amour, mais que j'ai refusé. J'ai gardé comme amie, c'est tout. Mais voilà, c'était pas dans mon schéma. Là-dessus, mais quand tu dis pas le schéma, donc c'est, j'imagine, parce que tu as baigné donc dans un monde hétéro-patriarcal et que le schéma est le même pour tout le monde, est censé être le même pour tout le monde. Sûrement à cette époque-là, voilà, j'avais une construction assez basique comme tout le monde, on va dire. J'avais pas trop de références à côté. C'était quand même, moi j'avais, voilà, on n'en parlait pas, il n'y avait pas de... Je veux dire, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien du tout. Donc, même si ça... je me posais pas de questions. Et puis, il y avait peut-être moins d'informations, moins d'ouverture là-dessus. Donc, non, moi, j'étais bien dans ce que j'étais, j'étais bien. Je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé à me poser des questions, où là, je ne me suis pas trop sentie à ma place. Mais tant que je ne m'en posais pas, ça allait. Donc autour de 25 ans, tu me disais la première relation avec une femme. Est-ce que tu te rappelles comment tu l'as vécu, par quoi t'es passé comme questionnement, par phase, j'en sais rien. Comment tu as vécu ce moment-là? J'avais plus de questionnement en fait. J'avais pris ma décision avant et quand j'y étais à fond. Voilà, j'ai pas eu de doute, pas eu de... Non, c'était devenu normal, c'était devenu... Voilà, j'avais accepté. Si je m'en rappelle bien, ça a dû durer à peu près un an, cette phase où je me suis posé des questions. Je parlais aussi avec mes copines, pas de moi, mais d'elles, de voir un peu ce qu'elles vivaient, comment elles le vivaient, comment ça se passait, tout ça. Et ouais, je crois que ça a à peu près duré un an, cette histoire. Et voilà, puis après, j'ai décidé. C'était bon. Je savais. J'avais compris comment j'étais. Tu as eu l'occasion du coup de faire un coming out à ce moment-là ou si tu as eu l'occasion d'en faire du coup auprès de qui et comment ça a été perçu et puis si tu peux donner du coup à la louche dans quelles années c'était? Je crois que si je me rappelle bien, parce que ça fait quand même un petit moment, hein. ce qui était très important pour moi c'était familialement par rapport à ma mère. Donc je sais que ma mère, je lui en ai parlé assez rapidement. Je ne peux pas dire quand. Assez rapidement, et ça s'est très bien passé, en fait. Ma mère a parfaitement accepté. Bon, elle n'était pas du tout... Bon, moi, ce qu'elle m'a dit, je crois, c'est qu'elle préférait que je sois avec une femme plutôt qu'avec un mec qui me tabasse ou qui profite de moi ou machin, voilà. Donc, bon, c'était pas son truc. Elle était un peu déçue parce qu'elle voulait des petits-enfants. Puis j'avais, de toute façon, j'avais pas envie. et donc, à partir du moment où, au niveau de ma mère, elle m'a dit ça, voilà, j'avais pas de... J'en ai jamais beaucoup parlé, mais bon, ma famille a tout le temps accepté. Quand j'ai amené des femmes dans la famille, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a jamais eu de souci. On n'en a pas forcément parlé, mais elles ont toujours été bienvenues. Ma mère a toujours accepté. Alors après, moi, le reste... dans ma tête, une fois que ma mère avait accepté, le reste, je m'en fichais, quoi. C'était comme ça, et puis voilà. Après, j'ai jamais été... j'ai eu une période où j'étais beaucoup dans la visibilité, je pense, parce que j'avais beaucoup à prouver. Puis après, non, j'en parle éventuellement de temps en temps, mais... J'ai pas de combat par rapport à ça. J'en ai eu un, mais j'en ai plus. Je suis comme ça, puis voilà. Est-ce que tu saurais dire, à l'époque, dans la société, du coup, comment c'était perçu, l'homosexualité et les lesbiennes? Et comment ça se fait que ta mère a été vraiment, d'après ce que je comprends, instinctivement OK? Bah, je crois que c'est une question d'amour.
C'est tout, c'est parce que c'est important pour elle et c'était pas... voilà, je lui ai pas dit que j'étais droguée, je lui ai pas dit que j'avais été en prison, j'ai pas... Voilà, c'était... Je pense que c'est quelque chose qu'elle était capable d'entendre et d'accepter. Après, dans la société, je sais pas, parce que moi j'ai toujours été dans un milieu où c'était accepté. Quelque part, voilà, les gens que je fréquentais, ça a toujours été accepté. Bon, je sais que pour avoir fait 2-3 manifs, m'être fait un peu insulter, quoi, mais bon. Non, j'ai pas trop croisé de gens ou de manière suffisamment proche qui étaient contre, qui. Par rapport à ça. Et en plus, j'ai eu autour de moi, bon, il y a un moment où j'étais beaucoup dans le milieu lesbien. Là, un peu moins, bien que je vive dans un milieu lesbien quand même. Et puis, j'ai pas mal de copains aussi qui sont homos. Ben voilà. Hein. Est-ce que dans ta famille, par exemple, ou autour de ta mère, tu vois, il y avait des personnes qui étaient homosexuelles avant toi, en fait, et qui, du coup, entre guillemets, ont pas préparé le terrain, tu vois, mais en tout cas, elle était OK déjà sur le fait d'en côtoyer, d'en connaître directement? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y en ait eu avant moi. Il y en a eu après moi, mais pas avant. Avant, non. Je crois pas. Après, c'est pas non plus un sujet que j'ai beaucoup évoqué avec ma mère. On en a un peu parlé. Elle m'a jamais parlé de... Enfin, en famille, de quelqu'un dans la famille, quoi. De connaissance, oui, mais pas dans la famille. Ouais, j'ai une autre explication par rapport à l'acceptation, c'est que moi je suis pas, ma mère était une fille d'immigrée et qui a beaucoup subi le racisme. Et donc peut-être que bon dans ma famille il n'y a pas de racisme, mais peut-être aussi que ça vient de ça, quoi, d'avoir un peu. Bon, moi, j'ai vu des paroles pas gentilles par rapport à ma grand-mère, quoi, qui avait un fort accent et tout. De gens de la France profonde, et peut-être que ma mère a souffert de ça aussi et ne tenait pas à montrer une forme de racisme quelconque, parce que la lesbophobie c'est quand même une forme de racisme voilà, auprès d'elle. Peut-être c'est une explication, je sais pas, à voir. Enfin, voilà, est-ce que tu as uniquement eu des relations avec des femmes, ou notamment avant de vivre tes expériences, mais c'est un très mauvais terme, des relations avec des femmes, est-ce que tu as eu l'occasion de relationner avec des hommes? Oui, j'ai eu des relations avec des hommes, mais ça s'est arrêté. J'ai pas, je suis assez tranchée dans ma tête, donc c'est soit les hommes, soit les femmes. C'est pas voilà. S'il y en a qui peuvent changer, avoir des histoires d'amour d'un côté et de l'autre, moi non. C'était, voilà, le jour où j'ai une relation avec une femme, c'était fini à vie pour les hommes. Convaincue, quoi. Voilà. Oui, c'est, voilà, après c'est des choix perso qui n'engagent que moi. Hein. En tout cas, c'est vrai que dans les milieux militants, on entend cette volonté de ne pas dire que c'est un choix, c'est juste une réalité, une aspiration profonde. Mais du coup, est-ce que pour toi, tu as plus l'impression que c'est ta réalité, tu as toujours eu plus d'affinité ou en tout cas de sentiments amoureux envers des femmes, ou est-ce que, comme tu dis, est-ce qu'il y a une ou en tout cas comme j'ai peut-être cru comprendre, tu as eu une volonté après de dire bah non, en fait ça sera que les femmes ou, Je crois que j'ai fait un choix et puis j'ai pas été attirée par les... Je me suis aperçue quand j'avais fait ce choix-là que les hommes m'attiraient pas tant que ça, quoi. C'était plus un truc sociétal. C'était ça, c'était dans mon schéma. Fallait avoir son petit copain. Donc j'avais mon petit copain. Mais c'était pas mon truc, quoi. Je chantais bien, de toute façon, que c'était pas mon truc. Donc je vois pas pourquoi. Voilà, pourquoi j'aurais des relations avec des hommes alors que ça m'intéresse pas. J'ai pas envie. Mais oui, c'est un truc qui est au fond de moi, mais c'est aussi un choix de le vivre. Parce que ça, faut... Voilà. Parce qu'il y a, il y a quand même des femmes qui ont des attirances pour des femmes et qui sont restées toute leur vie mariées, avec mère de famille, avec des enfants et tout. Hein. Et c'est un choix qu'on peut faire maintenant. Et peut-être qu'il y a 100 ans, j'aurais peut-être pas pu le faire, ce choix. Ouais, en parlant de ce choix, je pense qu'il y a aussi... C'est un choix, puis c'est aussi quelque part un peu un courage.
d'oser le vivre quelque part. Je ne sais pas si c'était, si c'est peut-être plus facile maintenant qu'avant, je ne sais pas. Je ne me rends pas bien compte. Moi, j'ai jamais eu l'impression que c'était difficile. C'était juste ce qui était difficile, c'était le choix. C'était pas de le vivre. Mais quelque part, c'est ouais, je crois que c'est aussi une fierté de dire j'ai fait mon choix. Puis c'est j'ai toujours été quelqu'un qui faisait des choix dans la vie. J'ai toujours choisi. Peut-être des choix des fois un peu radicaux, mais ouais, des choix. Et contente de les vivre, quoi. Même si des fois, sur certaines choses, ben, j'ai pas forcément fait le bon choix, mais à cette époque-là, ben, c'était peut-être le meilleur. Qu'est-ce que ça a changé déjà aussi dans ta vie à ce moment-là de vivre, en fait, tout simplement, ta vie lesbienne ? Ben, je crois qu'à un certain moment, c'est un épanouissement, quoi. Parce que quand tu es dans des trucs qui te conviennent pas forcément, ou tu t'aperçois que au fond de toi, c'est pas complètement ça que tu as envie, que ce que tu aimes, et le jour où tu décides de faire ce qu'il y a au fond de toi, ça t'épanouit, c'est clair. Et sur la zone de difficulté, du coup, et de courage qu'il faut, est-ce que tu arrives à dire par rapport à quoi, notamment, ou à qui C'est toujours par rapport à moi, je pense. Voilà, j'ai toujours été par rapport à moi dans cette histoire-là. D'accord. Ouais, le courage de s'accepter, des fois, de s'accepter quand on n'est pas tout à fait comme la plupart des gens, on va dire, comme une majorité. Chef directrice d'établissement scolaire, est-ce que par exemple les personnes avec qui tu travaillais étaient au courant en fait que tu étais lesbienne ou est-ce que c'est quelque chose que tu as caché quelque part ? Je ne l'ai pas abordé. Quand j'étais directrice, je ne l'ai pas abordé. Alors après, je pense que ça se savait plus ou moins. Quand j'étais juste enseignante, oui, plus jeune, quand j'étais dans ma période militante, oui, tout le monde le savait. On en parlait, enfin éventuellement, c'était pas non plus le sujet tout le temps abordé. Hein. Mais en tant que directrice, je crois pas en avoir parlé une seule fois. J'ai été un petit peu soutenir un jeune homme une fois qui était homo, mais je vais pas parler de moi. Il m'a fait des confidences, mais pas moi. Non, je crois que peut-être. Je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, que j'avais l'âge, peut-être la fonction, que l'occasion. Après, je ne l'ai jamais caché, hein, je n'ai jamais été dire que j'avais un mari et des enfants. Hein. Quand on m'a demandé, j'ai toujours dit que j'étais toute seule, ce qui était le cas. Puis je crois que la période où j'étais directrice, de toute façon, j'étais célibataire, donc à la limite, quand on pouvait faire une bouffe ensemble, je venais toute seule, j'avais personne à amener, de toute façon. Mais oui, après, je pense que les gens se faisaient pas trop. Ils ne sont pas trop posés de questions longtemps, quoi. Ça fait quelques fois que tu évoques une partie militante dans ta vie. Est-ce que tu peux préciser à quelle période c'était ? Comment ça t'est venu ? Dans quel contexte ? Ça m'est venu sur Dijon ou. Ben, je crois que quand j'ai fait le choix de vivre le fait d'être lesbienne, j'ai eu besoin de rencontrer d'autres lesbiennes, en plus de mes amis. Donc j'ai rencontré pas mal de gens sur Dijon, pas mal de femmes, et ces femmes étaient militantes. Donc j'ai suivi le mouvement à Dijon, j'ai suivi le mouvement à Paris, j'ai été. Et puis, ça a duré jusqu'à ce qu'on monte, chez moi, un petit peu après qu'on monte notre projet ici. Parce que c'est avec des copines avec qui je militais. Il y a 20... on a dû commencer à en parler il y a 25 ans, pas loin. Et on a décidé de se faire un lieu. De se faire un lieu pour nous. Parce que... un petit peu, on était un peu dans la démarche des Baba Yaga à Paris. C'était le début aussi, ça commençait un petit peu. Il y avait des prémices, je ne sais pas si le mot Baba Yaga était déjà sorti, mais il y avait déjà des prémices sur Paris de femmes qui essayaient de monter des choses un petit peu comme nous. Donc on en a pas mal parlé. Nous, notre idée, c'était de dire, ben, nous, on a...
On a décidé qu'on n'aurait pas de mari, pas d'enfant. Donc, quand on sera vieille, on va se retrouver toute seule. Et ben, autant se retrouver toute seule à plusieurs. Donc, on a acheté un terrain et on a fait construire une maison. Et puis, il y a quand même... ici, on a fait des... Bon, il y a quand même eu un petit peu de cinéma militant. Il y a... On a fait un festival de films aussi ici. Il y a parfois des fêtes qu'avec des femmes. Là, il va y avoir un concert qu'avec des femmes. Voilà, il y a des petites choses d'organiser de temps en temps. Puis il y a un petit peu de passage aussi, voilà, des lesbiennes qui passent. ou d'autres pas lesbiennes, et puis des fois des copains aussi. Hein. On a eu la chance de bien se faire accompagner. En termes de militance, du coup, est-ce que tu peux donner des exemples de ce que vous faisiez, comment ça se passait et sur quoi, en fait, quels étaient les sujets, tu vois, quand tu avais entre 20-30 ans, j'en sais rien, quels étaient les sujets sur lesquels vous militiez, en fait ? On avait une association à Dijon et c'était surtout un ciné-club. Donc on regardait pas mal de films. On allait les chercher à Cinéfable à Paris. Et puis, on a fait quelques conférences, des repas, des randos, des week-ends, entre femmes, des activités entre femmes. Et au niveau, est-ce qu'il y avait des sujets vraiment essentiels entre vous à aborder ou c'était... Bon, c'était assez libre, c'était un petit peu à... ce qu'on avait envie d'aborder, quoi. Tu réponds un petit peu à la question que j'avais envie de te poser, est-ce qu'il y avait du lien à cette époque-là, du coup, entre différentes villes, justement, et de personnes militantes? Est-ce que, parce qu'encore une fois, il n'y avait pas du tout Internet, d'ailleurs, ou très peu, ou c'est non, de... il n'y avait, avait pas du tout. Voilà. Du coup, comment se faisaient les liens entre vous, et est-ce qu'il y avait des liens avec des personnes d'autres villes, tu vois? Ah ouais, on avait monté une coordination lesbienne nationale. On avait été à... Oh, je ne sais plus trop où c'était, vers Grenoble. Et on s'était rencontrés avec plein d'autres assos en France. Puis on a monté, on a fait 2-3, on en a organisé un, nous, ici, dans Lyon, voilà, un week-end entre femmes avec des débats, aussi une fête et tout. Et est-ce que, du coup, tu arrives à dire, en fait, comment se faisaient ces liens-là? Comment vous aviez connaissance d'autres associations, collectifs ou groupes? Je crois qu'on s'envoyait nos flyers. Puis on se téléphonait, je sais pas. Ouais, téléphone, flyer, et puis on se retrouvait de visu à Paris ou dans d'autres endroits. Je sais pas, c'était tellement évident à l'époque, de toute façon. C'était le fonctionnement, voilà, qu'on avait. Ah bah c'est vrai, ça a été un bouche à oreille important. Je voulais te demander par rapport au terme lesbienne, déjà est-ce qu'il y en avait d'autres que vous utilisiez entre vous et comment était perçu ce mot-là entre vous et autour de vous en dehors des réseaux militants ou concernés? On n'utilisait pas ce mot-là. On utilisait le mot goudou. Voilà, c'était notre mot. On était là-dedans. Et lesbienne, c'était juste coordination lesbienne nationale. Mais non, autrement, on disait goudou. Parce que le terme lesbienne n'était pas genre très visible ou parce qu'il était connoté? Est-ce que ouais, tu sais dire pourquoi l'un et pas l'autre? Moi, je le trouvais connoté. Je sais pas les autres, mais pour moi, c'était assez connoté. C'est pas un mot. Je trouve pas ça joli comme mot, de toute façon. C'est un peu. Ça accroche. Est-ce que tu avais besoin de références lesbiennes? Pareil, tu l'as un peu évoqué en disant que tu avais un groupe d'amis par l'intermédiaire desquels toi tu as pu aussi vivre cette réalité-là. Mais du coup, est-ce que tu as eu besoin d'avoir d'autres références, que ce soit dans le sport, tu as évoqué le sport aussi au début, que ce soit dans la culture ou autre chose? Et voilà, si tu en as eu besoin, où est-ce que tu as allé les chercher et les trouver peut-être? Non, j'avais besoin de... Mais les références dont j'avais besoin, c'était des gens, des femmes normales à mon avis, enfin... Si on peut dire normal, quoi, qui avaient une vie tranquille, qui étaient bien dans leur tête. Dans le sport, celles que je connaissais, je les appréciais pas du tout. Je trouvais qu'elles étaient un peu dépravées, un peu
fallait faire attention, pas trop s'approcher d'elle, quoi. Il y avait des mains baladeuses. C'était un petit peu dangereux, donc je crois que ça m'a pas fait du bien, ça. C'était un truc qui... Voilà, je sais pas comment... Je les connaissais pas plus que ça, mais elle me faisait un petit peu peur, quelque part. J'avais pas envie d'être comme elle. Hein. Donc je pense que j'avais besoin de références, de gens comme moi, pour me rassurer, quoi, pour me dire peut-être qu'il y avait un petit côté quelque part qui disait que c'était un peu dépravé, de dire bah non, t'es pas dépravé, t'es normal, c'est une autre normalité. La normalité, il y a plein de manières d'être normal. Du coup, voilà, en abordant le sujet de cet habitat participatif, tu as un petit peu expliqué comment est venue l'idée, etc. Et du coup, votre volonté derrière, c'était quoi? Comment vous envisagez ce projet-là en commun? Est-ce qu'il a été évident ici? Nous, ici, on a eu un gros problème qui a sûrement été aussi bénéfique à la longue, c'est que c'était très long à monter... administrativement, voilà, parce qu'on a été rejeté complètement par la mairie de l'époque, qui ne voulait pas de nous, parce que ils croyaient qu'on était une secte écologique. Mais voilà, c'était pas le schéma traditionnel de la famille avec les enfants, donc ils ont tout fait ce qu'ils ont pu pour ne pas qu'on vienne. Donc ça a été très long à avoir le permis de construire. Après, comme c'était une maison un petit peu particulière, on a eu la chance. Moi, j'ai rencontré un homme qui était agent immobilier, qui a très bien compris, qui m'a présenté un architecte qui avait bien compris, avec qui on est bien rentré dans le truc, et qui nous a vraiment fait un lieu comme on avait envie. Et ce qui permet sûrement, 20 ans après, d'être toujours là, quoi. Plus de 20 ans après, d'être encore là, malgré les heures qu'il a pu avoir. D'être encore là. Donc c'est vrai que ça s'est construit petit à petit. On a mis un an à faire les plans de la maison, quoi, avec l'architecte. Parce que voilà, on y allait toutes les semaines, on disait ce qu'on voulait, on regardait. Alors quelque part, bon, on parlait de l'emplacement de la salle de bain, mais c'est aussi parler de... Ben moi, parce que ici, la particularité, c'est qu'on a des appartements. Où on est autonome, complètement autonome, et à côté de ça, on a des parties communes. Donc ça veut dire que la partie commune, on y va, on n'y va pas, comme on veut, on n'est pas obligé. S'il y a quelque chose qui se passe, on peut rester chez soi, on peut manger ensemble, manger chacun chez soi, comme on veut, exactement comme on veut. Donc ça, c'était ce qu'on voulait, vraiment, et ce qu'on a réussi à construire, et ce qui fait peut-être que ça dure. On peut recevoir du monde sans voir les autres, quoi. Ou en voyant les autres comme on veut, c'est assez libre. Moi, je voulais être un peu à l'écart parce que je suis un peu ours. Donc j'avais vraiment exprimé ça, moi, que je voulais pouvoir être dans mon coin et voir personne, si j'avais envie. Alors au début, elle me regardait un peu bizarre, puis après, ouais, bah si, c'est aussi comme ça, quoi. Et puis voilà, ça s'est construit. Ça. Alors c'est sûr qu'il y a eu, des moments qui n'étaient pas évidents, quoi. C'est surtout, puis je pense que c'est surtout avec le... quand on travaille, quoi. Parce qu'on travaille, on rentre le soir, on est crevé, on est un peu dans son stress, dans son truc, donc c'est pas toujours évident. À l'heure actuelle, il y en a deux en retraite, moi qui suis quasi pratiquement. Il n'y en a plus qu'une qui travaille. Il y a un autre rapport qui se construit, quoi. Qu'on retrouvait un peu pendant les vacances, mais maintenant c'est toute l'année. Je sais pas, oui, je crois que je sais pas s'il y a de recette miracle. Après, la recette, c'est d'avoir, de pouvoir laisser à chacun l'espace de liberté qu'elle veut, quoi. Pour ta part, tu dis donc qu'il y avait cette volonté d'avoir une autonomie, une indépendance, voilà, qu'à des moments où tu voulais être seule, tu voulais pouvoir le vivre. Est-ce que tu avais d'autres priorités aussi? Et est-ce que tu peux partager aussi les priorités des autres personnes pour, voilà, juste pour se donner une idée de comment c'est possible de faire ça ensemble? La priorité aussi, c'était d'avoir des espaces communs. Ça, c'était une autre chose, d'avoir... on a tout en double. On a aussi une salle de bain commune, des toilettes communes, une cuisine commune, puis une grande salle pour recevoir, où on peut aller quand on veut. Et puis avec une certaine souplesse, quand même. Je crois qu'on était bien d'accord là-dessus, quoi. Tout le monde était bien d'accord là-dessus.
Alors après, on avait dit que les espaces extérieurs, on ferait un peu pareil, avec des parties un peu communes et des parties un peu chacun de ces trucs. Bon, moi, j'ai pas mal investi aussi des trucs. Mes voisines, moins, mais bon, elles sont... C'est parce qu'il y a des moments où on a envie de faire des choses ou pas. Et bon, l'année dernière, ils ont mis une caravane. Bon, ben voilà, ils ont leur caravane. Des choses, ouais, qui sont plus ou moins partagées, quoi. La caravane, elle m'a dit, t'es avec nous. Je dis, bah non. Non, ça m'intéresse pas d'avoir une caravane. Bah, mettez votre caravane, c'est pas un problème. Il y a de la place. Moi, je m'en fiche. Je vais faucher l'herbe autour, si, quand il faut, mais... Est-ce que le terme de communauté est un terme qui te parle, notamment quand tu étais en période militante ou que tu étais avec des amis LGBT d'une manière générale, voilà. Est-ce que le terme de communauté était utilisé à l'époque ou est-ce qu'il y en avait un autre pour définir en tout cas ces moments ensemble entre personnes homosexuelles notamment? Je sais pas bien. Communauté, je trouve que ça cadre un peu trop, ça fait un peu trop à part. Et je crois que c'était pas le but d'être à part, c'était aussi d'être bon, d'être entre femmes parfois, mais pas à l'écart du reste. Oui, communauté, oui, ça doit être employé. Et perso, est-ce que le terme de milieu, ça te parle? Est-ce que ça existait? Parce que moi, je sais quand j'avais une vingtaine d'années à Montpellier, des endroits où on se retrouvait dans des bars lesbiens ou en tout cas LGBT ou des lieux, on appelait ça le milieu. Est-ce que c'est un terme qui te parle? Parce que je ne sais pas d'où il est arrivé et je ne sais pas à quel moment il a disparu. Ouais, je pense que j'en ai entendu parler. J'ai jamais été très attachée aux mots. D'accord. Moi, je vis plus que je cherche à mettre des mots. J'ai l'impression, à travers ton discours, qu'il y a toujours ce côté femme, peut-être au-delà de lesbienne, ou en tout cas au même niveau de genre de se retrouver entre femmes, d'avoir des moments entre femmes, mais pas forcément lesbienne. Et du coup, par exemple, est-ce que tu te dis féministe? Bah, féministe, ça, c'était, ça, je l'ai accepté depuis très très longtemps. J'ai découvert que j'étais féministe. Voilà, que je vivais féministe, que j'ai toujours été comme ça depuis que j'étais petite, ça m'a jamais dérangée. Avant de connaître le mot, j'étais comme Monsieur Jourdain, voilà, j'étais comme ça. Ça, je le vivais. J'ai toujours eu un comportement très fort au niveau féministe. On a fait des travaux et j'étais, il y a un moment, j'étais la seule femme au milieu. Voilà, il faut aussi qu'il y ait des femmes. Eh oui, féministe, c'est un truc, c'est en moi depuis, je suis née comme ça. Est-ce que sur ce sujet aussi, par exemple, il peut y avoir une influence de ta mère et de, tu vois, du comportement qu'elle a pu avoir qui t'a donné cette volonté féministe, ou en tout cas cette évidence à ce niveau-là, ta mère ou quelqu'un d'autre? Son truc, c'était vraiment la femme au foyer, les tâches féminines, les tâches, mon père avait ses tâches d'homme, ma mère ses tâches de femme, c'est un truc que je supportais pas. Sans pour autant avoir d'autres modèles, du coup. Non, j'avais pas. Je voulais pas de ce modèle-là. Ça, c'est sûr que j'en voulais pas. Depuis toute petite, j'en voulais pas. Moi, je voulais être libre de faire. Si je voulais prendre une perceuse, de prendre une perceuse, et puis de prendre une cuillère pour faire la cuisine aussi. Déjà, sur les tâches. Enfant et ado, j'étais beaucoup avec les garçons, parce que j'avais beaucoup des goûts de peut-être de ce qui les intéressait. Je faisais du vélo, je faisais des trucs qui ne me parlaient pas, quoi. Me maquiller, mettre des jeux, ça ne me parlait pas. Plus jeune, est-ce que ça a posé problème que tu sois une fille et que tu préfères rester avec les garçons et que tu aies des occupations dites à l'époque de garçon? Moi, je crois que j'étais acceptée, non, enfin, avec des copains partout, j'étais acceptée. Hein, j'étais... Les garçons manqués, il est passé de stade de garçons manqués au stade de filles réussies. Je me rappelle toujours la réflexion d'un copain qui m'a fait ça à 17-18 ans, qui, pour lui, j'étais pas une fille, quoi. C'était son pote. Notre relation, c'était ça, c'était mon frère, et lui, j'étais son frère aussi, je crois. Est-ce que le mot a tout de suite été OK pour toi à partir du moment où tu as mis le terme féministe dessus, qui est un terme aussi très connoté et selon les époques, pas toujours connoté de la même façon? Voilà, quel était ton rapport à ce niveau-là, ne serait-ce qu'au niveau du mot et de comment il était perçu par l'extérieur? Voilà, j'ai toujours été très déclarée féministe. Moi, le féministe, c'est mon comportement, parce qu'on me dit souvent que je suis féministe.
Je le dis pas, mais on le dit. De toute façon, ministre, un petit peu attention, voilà. Ça a toujours été comme ça. C'est un truc. Alors là, c'est un truc que j'ai accepté, qui était tout à fait naturel. Pour moi, c'est le comportement normal, on va dire, d'être féministe. Le reste, je l'accepte. En ce qui concerne les luttes féministes ou les luttes autour des droits LGBTQIA+, est-ce que tu as des moments qui t'ont marqué plus que d'autres, que ce soit en termes de lutte ou de réalité sociale? Non, moi, les grandes luttes féministes, c'est arrivé après. C'était avant moi, mais ça, c'est un truc qui m'a marqué quand je l'ai découvert. Quand j'ai découvert ce qu'elle s'est vivée à la vidéo, tout ça, j'ai dit, waouh! La chance qu'on a, quoi, ce qu'elles ont pu faire pour nous. Et après, LGBT, c'était un peu plus après moi. Après ma période féministe, c'était pas, voilà, le terme est apparu après, d'ailleurs, non? C'est pas LGBT, quoi. Maintenant, oui, on nous prête, mais à cette époque-là, non, on était, c'était beaucoup pour les femmes, pour les lesbiennes, un petit peu pour les homos. Et les premières des Pride. Ouais. On a plus tendance à utiliser le terme Pride aujourd'hui, mais à l'époque Gay Pride, est-ce que tu as eu l'occasion de faire des Gay Pride ou des Pride? Et si oui, est-ce que tu peux partager ton expérience? J'en ai fait. Ouais, j'ai monté à Paris quelques fois en faire. Mais bon, c'était pas le côté un petit peu chaud de grande folle, c'était pas trop mon truc, quoi. Donc nous, on se mettait entre nous, on en a fait en tant que coordination lesbienne nationale, on en a fait. Moi, j'ai joué de la percu. Ah bah c'était super d'être avec les copines. c'était des grands moments, quoi, des grands moments de partage. Ouais, on passait des bons moments ensemble, quoi. Bon, après, on se faisait aussi un peu insulter, mais bon. On les connaissait pas, on s'en fichait. Après, sur Dijon, je sais pas si j'en ai fait des Gay Pride, je m'en rappelle plus. J'ai fait des manifs, mais je sais plus s'il y avait des Gay Pride ou des... enfin, des Pride, ou des manifs féministes, ou je sais plus bien. Aujourd'hui, est-ce que tu as encore l'envie ou la volonté ou l'occasion d'aller à des Pride ou pas spécialement? Non. J'ai pas ni l'envie, ni la volonté, ni l'occasion. Non, j'ai pas trop retourné dans les manifs. Même que ce soit manif quelconque, il y a quand même quelques années que je ne suis pas retournée. Actuellement, c'est comme ça. Peut-être que ça changera, je sais pas. On verra. Est-ce que tu as vécu cette forme de lassitude ou de fatigue, en tout cas, que pas mal de militants et de militantes peuvent vivre? Est-ce que c'est ça, par exemple, qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es concentré sur ta vie et tes envies et tes aspirations? Je suis pas sûre je sais pas si c'était une lassitude. C'était envie de faire autre chose. Mais j'ai pas vécu ça comme une lassitude, non. C'était une page à tourner, quelque part. Voilà, c'est faire les choses différemment. Est-ce que tu peux évoquer éventuellement la période du mariage pour tous en France? Comment tu as vécu cette période? Moi, ça ne me parle pas, parce que mariage pour tous ou pas pour tous, mariage, ça ne me parle pas. Voilà, après, je trouve que c'est bien, quoi, que ce soit ouvert à ceux pour qui ça parle, qu'ils puissent le faire. C'est une belle chose, quoi. Puis je pense que c'est quand même au niveau visibilité, c'est important, quoi, parce que... ne serait-ce que dans le journal, on va voir la photo du couple, d'hommes ou de femmes, et puis que les parents soient là pour faire la cérémonie, que le maire, je sais qu'il y a des maires qui ne supportent pas, mais il y a quelque chose d'officiel, de visible. Je trouve que c'est une belle chose, quoi. C'est une belle chose, pas pour moi, mais pour les autres, je trouve que c'est très bien. Est-ce que tu as eu vent, du coup, quand même, de toutes les contre-manifestations qu'il y avait et toute cette violence qu'il y a eu à ce moment-là? Comment tu l'as vécu? Et est-ce que ça t'a étonné de voir toute cette déferlante, un peu beaucoup même, de rage, de colère, de gens qui voulaient absolument pas que les homos se marient ou adoptent, ou etc.? Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a étonné? Non, ça m'a pas étonné, parce qu'on est quand même dans une société où il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas la différence. Donc ça m'étonne pas. Après, c'est pas...
Bon, je trouve ça pitoyable, quoi. Bon, je trouvais que ce serait... Voilà, moi, je suis pour qu'on... Comme je te dis, moi, ça ne me parle pas, le mariage, mais pour tous, mais c'est bien que ça existe. C'est une bonne chose. C'est la même haine qu'il peut y avoir sur l'avortement, sur plein de domaines, quoi. Ou même qu'on retrouve maintenant avec, peut-être quelque part... c'est un peu différent, mais par rapport à ce Covid, ce vaccin, ce passe sanitaire aussi, il y a des trucs... je veux dire, on a mis les gens mal à l'aise et maintenant, on a sorti des gens qui sont anti pour... voilà, beaucoup de différences. Pour quelque chose, je trouve que c'est quand même... je pense qu'il y a des choses plus importantes quand même. Une dizaine, vingtaine, trentaine d'années, est-ce qu'on parlait déjà de la PMA? Si oui, voilà, comment c'était abordé? Est-ce que, pareil, aujourd'hui, c'est pas encore totalement valide et accessible à tous? Et du coup, voilà, pareil, ton point de vue sur ce sujet? Ouais, c'était pas... moi, je l'ai un petit peu vécu parce que j'ai des amis qui... Bon, c'était pas PMA, mais qui ont adopté. Donc, c'était un petit peu dans la souffrance puisque c'était... il y avait qu'un nom sur la boîte aux lettres. Il n'y a qu'une personne qui a adopté. Alors qu'elles étaient deux, et il fallait le vivre, ça, parce que il n'y avait pas d'option autrement. Et bah c'est pareil, hein, moi je trouve ça, je veux dire, quand on a un désir d'enfant, je trouve que c'est mieux d'être deux pour élever un enfant, mais enfin, que ce soit deux femmes, deux hommes, des enfants qui sont, ça, je vois pas pourquoi ils seraient plus mal élevés, ou... moi je trouve que c'est quelque chose qu'il faut ouvrir, alors... Je pense qu'effectivement, ça c'est pas encore accepté, ça s'est quand même un peu ouvert au niveau adoption. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses de faites, pas forcément avec tous les pays, mais ouais, c'était. Je pense que ça a créé des gros traumatismes. Ces dernières années, on parle beaucoup plus de non-binarité, de personnes transgenres, de dysphorie, etc. Est-ce que déjà tu connais ces termes? Est-ce qu'ils existaient à l'époque? Alors, pas forcément les termes, mais les notions, si on peut dire des notions, je sais pas. Oui, je me rappelle de à Cinéfab de films parlant de justement de non-genrés, peut-être. Voilà, de personnes non-genrées. Puis moi, j'en ai rencontré aussi de... Ben, c'est peut-être plus des changements de sexe. Voilà, mais... Ouais, on en parlait. Après, moi j'en ai rencontré, moi j'en ai pas fréquenté plus que ça, parce que je pense que ça s'est pas trouvé, hein, c'est tout. C'est pas. Je me rappelle d'un documentaire là-dessus sur le ni homme ni voilà, non, sans genre, pas de genre. Ouais, ouais ça remonte. Mais ça faisait partie, oui, ça faisait partie des sujets. Et des luttes aussi, du coup, j'imagine. Alors, c'était pas... maintenant, c'est ce que je te disais tout à l'heure, maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu plus rassemblé. Là, c'était pas... pas plus que ça, c'était plus sur la notion peut-être de découverte, de... Moi, j'ai pas spécialement milité pour ça, mais... Voilà, parce que c'était pas... Ouais, on découvrait. Est-ce que en termes de sida notamment, est-ce que c'était des sujets abordés? Est-ce que tu as eu l'occasion de militer sur ces sujets-là? Ouais, le sida, il était beaucoup par rapport aux hommes. Donc c'était un problème. Voilà, c'était les. Moi j'ai vu des gens autour de moi, des copains qui avaient le sida, quoi, mais des copains homo, mais pas des. C'est vrai que c'était un problème d'hommes et. Parce qu'au début, le sida, ça a quand même été mis en avant beaucoup par les homos. Alors que maintenant, c'est pas fort. Enfin, en Europe, en Amérique, c'était quand même beaucoup, je pense, les homos qui avaient le sida au début, pas en Afrique. Mais maintenant, c'est peut-être moins connoté, c'est beaucoup moins connoté homo. Tandis qu'à l'époque, c'était le sida, c'était vraiment les homos, quoi. C'était quand même assez terrible parce que maintenant on en meurt quand même beaucoup moins qu'avec la trithérapie. Qu'à l'époque, il y a eu des drames, quoi. Il y a eu des copains qui sont partis, des copains, des copains,
Et puis un peu, moi j'ai souvenir un peu de mes copains qui étaient assez, qui étaient très soudés quoi, autour de, qui veillaient leur copain malade quoi, jusqu'au départ. C'était un truc, des grosses déchirures quoi. Est-ce que les lesbiennes du coup à l'époque étaient des alliées de ces luttes-là du coup Oh bah oui, toujours, enfin oui, alliées, parce que c'était quand même quelque part c'était le même combat, c'était le même combat que les hommes, même si on ne combattait pas forcément ensemble, ça s'est mis petit à petit à combattre ensemble, mais les femmes étaient à combattre à part. Mais c'était quand même voilà, oui. C'était une acceptation. Après, je crois, au niveau des femmes, ce qu'il y avait beaucoup, c'était ce fameux cancer du sein, quoi. Mais qui concernait pas forcément les lesbiennes, qui concernait toutes les femmes, qui était un combat de femmes, plus un combat féministe. On y revient. Oui, on y revient. Quand tu regardes les nouvelles générations de lesbiennes évoluer pour ce que tu en connais ou ce que tu imagines, qu'est-ce qui te semble avoir complètement changé en mieux et ou en moins bien par rapport à l'époque où tu t'es construite? Et qu'est-ce qui te semble rester immuable, que ce soit cool ou pas cool? Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de visibilité. Je pense qu'à ce niveau-là, ça a quand même bien changé. Tu vois, et je pense qu'il y a... les lesbiennes peuvent s'en rendre compte plus jeunes. Voilà, je pense que c'est plus facile. On peut faire plutôt son coming out. On peut trouver plutôt des références, plutôt des, plutôt d'autres sœurs. Voilà, faut moins chercher. Donc, si on a une petite idée, on peut, voilà, on peut aller rencontrer d'autres femmes. Je pense que on peut y arriver plus tôt. Tu penses qu'à une autre époque, toi, tu aurais pu vivre ça plus tôt, cette réalité-là plus tôt? Ouais, je pense peut-être. Peut-être que je l'aurais, oui. Oui, si j'avais trouvé mes modèles, mes références, les questions que je me posais, peut-être qu'à 18 ans, si j'avais pu avoir. Je me serais peut-être posé des questions. Si j'avais trouvé des endroits où. Je me posais pas de questions, mais je me les serais peut-être posé si j'avais su que je pouvais faire d'aller voir des endroits avec des lesbiennes, d'aller voir sur internet, d'aller voir tout ça. Nous, on s'était quand je militais, on s'était battu contre des magazines porno. Ça me fait penser à ça parce que voilà, la visibilité qu'on voulait nous donner, c'était, il y avait un magazine, enfin, c'était pas qu'un magazine, parce que ça devait être plus ou moins le même propriétaire, qui avait justement, qui avait piqué dans nos flyers, qui avait mis ça dans leur magazine porno, quoi. Alors, on avait été faire 2-3 descentes pour aller regarder, chercher se taper les pages des magazines porno pour trouver les flyers, et il y a eu toute une démarche judiciaire. On les a traînés au tribunal et on a gagné. Hein. Pour, voilà, parce que c'était assimilé. C'est une drôle de visibilité. Quoi. Du coup, tu dirais que globalement, pour finir sur sa question, c'est plutôt positif l'évolution. Ouais, je pense. Ouais, je pense que c'est plutôt positif. On a quand même une société, j'ai l'impression, qui s'ouvre plus, qui accepte plus. Je sens moins tous ces racismes dans tous les domaines. Il y en a encore, hein, mais que ce soit dans tous les domaines. Je veux dire, il y a. Ouais, les. Moi, j'ai plein de copains hétéros, c'est complètement accepté, quoi. Tu vis ce que tu veux. Je suis pas sûre qu'il y a 30 ans, il y en avait autant. 30, 40 ans. Comme référence, tu as beaucoup parlé cinéma. Est-ce que tu as des noms qui te viennent, que ce soit de personnes qui ont réalisé des films ou des titres de films voilà, qui... Et aujourd'hui, du coup, voilà, quelles sont tes références? Est-ce que tu aurais des références à partager? Nous, à l'époque, on avait Louise Brooks au cinéma. Il y avait Greta Garbo dans La Reine de Suède, la Christine de Suède. On avait... Qu'est-ce qu'on avait encore?
Suzy Solidor, qui a une chanson où elle parle de la femme qu'elle aime. Pour les années 40, c'était pas mal. Puis après, bon, il y avait des références plus contemporaines. Quoi. Ici, on avait organisé un festival de cinéma sur une réalisatrice catalane qui s'appelle Marta Ballet de Bocol, qui a fait des très beaux films sur les histoires d'amour de femmes, qui a malheureusement arrêté. Je ne crois pas qu'elle en ait refait après. Elle en a fait 4 ou 5 qui sont superbes. Et mon premier livre, c'était Le Puits de Solitude. Non, je n'ai pas cherché spécialement à lire plus des choses féministes, mais pas trop des romans lesbiens, pour plus que ça. Des films, j'en vois de temps en temps. Bon, chansons, j'écoute quand même pas mal Anne Sylvestre et Michel Bernard, qui sont des... Alors peut-être pas... au moins des féministes déclarées. Après, elles ont aussi quelques chansons un peu plus militantes lesbiennes, mais déjà dans féministes déclarées, dans leur attitude aussi. Et Agnès Bille aussi, en féminisme. Oui. Agnès Bille. Mais c'est du féminisme, c'est pas... Du coup, est-ce qu'il y aurait un sujet qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder et que toi, tu aimerais aborder et partager? Moi, je suis beaucoup plus peut-être investie dans l'écologie. Mais je sais que... Bah, de toute façon, il y a l'écologie et le féminisme, ça va assez ensemble. Hein. Si on prend Vandana Shiva, mets les deux, vis les deux. Ça me va bien, ça. Dans ton quotidien, ça se manifeste comment, du coup, tes positions écolo? Oh bah dans ma manière de vivre. Hein. Je m'occupe de pas mal de choses. Je m'occupe d'une épicerie coopérative. Puis dans ma manière de vivre, dans mes actes à moi. Mais c'est un peu comme le féminisme, c'est une manière d'être. Hein. Là, c'est des petits trucs, des petites attitudes, des petits comportements au quotidien. Avec toute une pile, et tu t'aperçois finalement ça fait beaucoup, à force d'en avoir des petits, mais... Est-ce que tu aurais un message à faire passer, d'une manière générale, que ce soit aux plus jeunes générations ou aux personnes, un message ou même des petites astuces, tu vois, pour des personnes qui découvriraient un petit peu leur réalité lesbienne, voilà, qui auraient besoin ou envie de se nourrir d'expériences d'autres? Est-ce que tu aurais des petits conseils à donner éventuellement? Bah d'aller regarder au fond de soi, hein, et puis il faut vivre ce qu'on a au fond de soi. Voilà, et vivre bien, pour être bien, pour s'épanouir. Il y a de la place pour plein de choses. Le monde, c'est des différences, c'est pas tout le monde pareil, c'est pas formatage unique. Hein. C'est chacun avec ses différences, dans le respect des autres. J'ai envie de te demander pourquoi tu témoignes dans The L Road. Moi, je me suis pas posé la question. Si je m'étais posé la question, je pense que j'aurais pas témoigné. Voilà, c'est arrivé un peu comme ça. C'était à l'arrache. C'était ma petite cousine qui m'a donné, qui t'a envoyé vers moi. Donc je me suis dit, oh bon, ma foi, allons-y.